Il avait toutes les raisons de choisir pour devise ce mot de Corneille. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et même s'il paraît moins présomptueux que Don Rodrigue dans le Cid, il semble bien parti pour brûler les étapes qui le mèneront droit en tête de tous les palmarès, couvert d'éloges et de prix littéraires. Lui qui peut s'enorgueillir d'avoir vendu pas moins d'1,5 million d'exemplaires de son best-seller sorti en 2012, La vérité sur l'affaire Harry Kébert, qui lui valut le prix Goncourt des lycéens 2012. Son talent, allié à sa jeunesse, ont fait de lui un véritable phénomène de librairie, mais sa pudeur et son mystère font aussi de lui un personnage romanesque dont on ne sait pratiquement rien. Il était tout indiqué pour paraître devant vous dans cette émission, placé sous le chiffre du diable, puisqu'il s'agit de la 666e édition. Eh oui, eh oui. 666e édition. Je comprends pourquoi Joël Gaumont n'a pas pu venir. Ça y est, on m'a pigé. Oh, les mains, hein. Ah, on rit moins. Hein. Juste revanche d'un match France-Suisse 5-2. Ce jeune et brillant écrivain genevois ne cesse de marquer des buts chez nous et devrait atteindre de nouveaux records de vente avec la sortie en livre de poche de son best-seller avec nous ce matin sur RTL, Joël Dicker. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est une joie de Merci, vous accueillir. Très heureux. Votre livre, c'est un best-seller voilà, qui fait plaisir. Prix Goncourt des lycéens, c'est un très joli prix en plus. Oui. En plus, le prix Goncourt des lycéens, parce qu'on ne force pas des jeunes à lire alors que l'Académie, elle, est obligée. Oui, bah c'est ça. Il y a le Grand Prix de l'Académie française d'abord, oui. Et puis quelques semaines après le c'est bien aussi, Goncourt hein. des lycéens, ce qui est bien. C'est pas mal. Mais ce qui m'a plu, en fait, c'est de mettre ces deux prix oui. l'un en face de l'autre et de se dire qu'il y avait un peu toutes les étapes de la vie, les plus jeunes et les moins jeunes. Et ça me plaît assez d'avoir pu réunir des gens autour d'un livre parce que les livres ont plutôt tendance à séparer. On dit qu'est-ce que tu lis, non ça c'est pas bien, lis ça, etc. Je suis assez content d'avoir pu peut-être réunir deux ou trois générations autour d'un livre, très modestement, mais pas parce que c'est mon livre, mais autour du livre en général. Mais 1,5 million, c'est quand même un phénomène de librairie. Comment vous avez vécu ce triomphe? C'est quelque chose d'unique peut-être dans la vie d'un écrivain? Oui, enfin ça c'est les chiffres qu'on donne, peut-être que c'est un mensonge, vous savez, peut-être qu'on nous mène un peu en plateau depuis le début. Comment vous vérifierez les comptes? Non, mais c'est, enfin, ce qui est aussi assez fou avec ce livre, c'est le fait qu'il est traduit à l'étranger depuis maintenant, il y a à peu près une version par 15 jours qui paraît, il est traduit dans à peu près 50 pays, ce qui fait que j'ai pas vraiment le temps de m'arrêter sur un pays et me dire « Ah, ça marche bien, c'est chouette », parce qu'il y en a déjà un autre, et là je me dis « Qu'est-ce qui va se passer au Japon, ou en Russie, ou ici, ou là ?» Et ça donne au livre une jeunesse, comme ça, une nouvelle jeune jeunesse, et puis le défi de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour ce livre ici? Donc, quand la Corée du Nord va le sortir, ils vous inviteront. Vous allez voir, il a beaucoup d'humour. Kim Jong-un. Il rit beaucoup. King... Oui, il rit beaucoup. Une fois la censure passée, il restera 3 pages. Mais comment vous avez vécu? Parce que c'est un phénomène quand même unique, vous êtes jeune, mais comment vous avez vécu ce passage de l'ombre à la lumière, même si vous étiez déjà un peu connu en Suisse? C'est pas tellement connu en Suisse, mais il y avait eu un premier roman, mon premier roman qui était paru 6 mois avant et qui avait eu un petit succès en Suisse. Mais le passage se fait de manière un peu folle parce que, en tout cas, moi, je me suis pas rendu compte et je me rends toujours pas compte maintenant. Et il y a plein de gens qui me disent c'est génial, c'est incroyable, etc. Et oui, c'est incroyable, mais en même temps, il y a aussi une partie de moi, je pense, qui y croit pas vraiment, qui me dit mais. Qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? C'est aujourd'hui la 666e édition. Et il y a quand même toujours cette question de se dire, mais c'est pas possible. Il y a un truc ou il y a une erreur ou qu'est-ce qui se passe vraiment? Et je crois que j'aurai encore besoin de temps pour assimiler vraiment tout ça. Mais ça ne vous paralyse pas dans l'écriture pour la suite? Non, ça non, au contraire. Parce que c'est le deuxième roman qui paraît, mais c'est le sixième que j'ai écrit. Ah, donc avant ça, il y a eu beaucoup d'essais. Vous voulez dire que vous allez nous refiler maintenant vos antiquités? Non, justement. Mais je me dis, tiens, c'est agréable d'avoir un lectorat qui attend. Oui. Et ça donne de l'énergie pour le syndrome Amélie Nothomb, non? Oui. un par an, pas plus.